Hey, c'est Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve pour des recettes spéciales goûter de Noël. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, c'est parti. La première recette est un sapin au Nutella. Pour cela, vous allez devoir mettre de la farine pour éviter que votre pâte colle. Ensuite, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée. Vous allez l'aplatir. Une fois la pâte étalée, vous allez mettre 3 grosses cuillères à soupe de Nutella. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un couteau pour étaler le Nutella. Une fois fait, vous allez replier la pâte en deux. Puis vous allez faire les mêmes découpes que je fais à l'écran. Pour finir, vous allez torsader toutes les petites bandes du sapin. N'oubliez pas de moins torsader les premières bandes et plus les dernières pour faire un effet sapin de Noël. Ensuite, vous allez l'enfourner à 200 degrés pendant 10 à 12 minutes. Maintenant, on passe à la recette du lait de poule. Moi, j'ai fait pour 3 grands verres de lait de poule. Donc vous mettez 3 grands verres de lentilles dans votre casserole. Ensuite, vous allez rajouter de la vanille. Moi, j'en ai mis beaucoup parce que j'adore ça. Ensuite, vous allez mettre 1 à 2 petites pincées de cannelle. Ensuite, vous êtes censé mettre du rhum, mais moi, j'ai mis de l'arôme de rhum que vous pouvez trouver dans vos magasins. C'est un produit sans alcool, mais ça donne le goût du rhum. Donc, vous pouvez trouver ça dans le rayon pâtisserie de votre magasin. Ensuite, vous allez mettre à chauffer le lait. Ensuite, vous allez séparer 3 jaunes d'œufs des blancs. Ensuite, vous allez mettre 40 g de sucre avec vos jaunes. Ensuite, vous allez faire blanchir les œufs. Une fois que le lait bout, vous allez couper le feu. Vous allez tourner rapidement en même temps que vous versez votre lait dans les œufs pour que les œufs ne cuisent pas. Pour ceux qui n'aiment pas le goût du rhum, vous pouvez mettre du cacao. Voilà ce que ça donne une fois votre sapin terminé. Voilà, ça avec le lait de poule, c'est vraiment trop bon. En plus, vous avez vu, c'est super simple à faire. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.